Le premier endroit où on est allé en Pologne, c'était justement là-bas au ghetto de Varsovie. Et notre guide, Shlomo, nous a raconté une histoire d'un couple qui s'est caché pendant des jours dans une bouche d'égout. Et une fois que tout ça s'est terminé, grâce à Dieu, ils ont pu survivre. Ils sont partis en Israël habiter. Et peu de temps après, ils sont revenus. Ils ont fait sur cette bouche d'égout un signe. Après, je vous montrerai. C'est un bet, qui est la première lettre de la Torah, qui veut dire Bereshit, c'est le commencement. Et juste après, c'était une branche d'olivier, qui représente le peuple juif. C'était pour montrer le renouveau et que malgré qu'on soit descendu très bas, et ben on va remonter comme des vrais juifs, comme le commencement de la Torah. On va renaître en quelque sorte. De la classe de CP jusqu'en classe de terminale pour commémorer le Yom HaShoah. C'est une année où la parole haineuse s'est complètement libérée. Nous avons l'habitude de garder notre sang-froid, de nous interroger, de prier et de persévérer dans ce que Hachem nous a donné de plus précieux. Notre Torah. Nous n'avons pas peur. Nous n'aurons jamais peur. Pourvu qu'on puisse persévérer dans cette voie qui est celle de la Torah. במעלות קדושים ותולים כזוהר הרקיע מזעידים את נשמות אחינו ואחיותינו אנשים, נשים, ילדים ויונקים Il est important pour nous et de célébrer le miracle que représente Israël, qu'incarne Israël, et aussi de continuer à prier pour que l'État d'Israël vive à jamais. Oh,
לי ארץ החלב נוגע בדבש והישן נושן עטוף ובחדש והיא יפה קדושה רבים הרוצים בה מקיבוץ עד למושב בעיר אחת גדולה עשויה כולה זהב ישראל היא הבית שלי ישראל החלום שאיתי ישראל כאן ועכשיו ישראל 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 היא הבית שלי ישראל החלום שאיתי ישראל כאן ועכשיו ישראל ישראל ים יפה כחול והיא יבשה ממים ומדבר ירוק מטל שבשמיים ישראל